Pardon? Mais qui peut nous parler par là, monsieur? Pourquoi il y a un problème, monsieur? Oh! Presque 2 ans après. 2 ans après, compte. 2 ans après. Ok, d'accord. Maintenant, qui ça fait, ou même comme entrepreneur, ou bénéficier contrat ça, ou, sous tout toi qui t'existe? Non, je ne vais pas bénéficier de contrat. Yes. Je ne vais pas bénéficier de contrat. Et c'est pas sur le contrat que bail. Oui, rappelez. Il y a 10 000 appels d'offres qui fait. Il y a un. Puis ça, c'est sous l'hérité. Oui, puis ça, c'est sous l'hérité. Elle dit, c'est quand qu'on a. Alors, c'est celle-là qui était prêté comme Nona. Chargé, député, sénateur. C'est pas vraiment dans le secteur privé à tout. Oui. Mais vous avez même cité Noyo. Monsieur, écoutez. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que je suis un homme engagé. Parce que je suis un homme engagé et qu'il faut le détruire. Monsieur, écoutez. C'est pas d'aujourd'hui que chaque fois qu'un homme du secteur privé veut s'engager, on l'assassine. Mm-hmm. Que politiquement, que physiquement, que émotionnellement, moralement. Je vais citer Antoine Ismeri. Antoine Ismeri, c'était un des grands supporters de Jean-Jacques Aristide, qui finançait campagne. Ok, est-ce que déjà vous reprochez de ça? Non. Mais il finançait campagne. Il aurait été dans l'église. Sacré-cœur. Le sorti avec le tirel. Olivier Nadal. Olivier Nadal, qui était maintenant, lui, dans la campagne contre et Jean-Jacques Aristide. J'ai sauvé. L'objet sauvé, il n'a jamais tourné. Et il y a l'autre toujours. Il y a moins important. Bon, je ne sais pas. Est-ce que Dimitri Vob, c'est pas ça tout? Je ne sais pas. Sur qui ça va parler? Le jeune voyait Dimitri Vob aller là. Écoutez, messieurs, n'importe quel homme du secteur privé peut avoir un contrat avec l'État qui a un problème là-dedans. Dénoncer contrat. Bon, pas besoin de casser Kaili. Kaili privé li. Ou mettre celle sous Kaila et puis la police dévaliser Kaila. Ou bien moun qui a fait Kaila, je ne sais pas. Écoutez, c'est une persécution. C'est une persécution. Donc, c'est pas la première fois. Pourquoi? Parce qu'un homme du secteur privé, un homme de la bourgeoisie qui décide d'entrer dans la politique comme Fidel Castro dérangeait Batista aussi. Si tu es jeune, tu es Fidel Castro, tu es actuel. Et puis je vais aller plus loin. Mon frère Dorval, génère. Grégory Saint-Hilaire, génère dans l'université. Dans la presse, Vladimir Le Gagnon, génère. De bon nec décide de rentrer pour Goumen et pour Yoro qui a réussi. Dorval, t'es gêné et pouvoir et l'opposition. Mon cher, je connais même qu'a dit que Dorval, ses paroles n'étaient tant envers personne. Donc il gêne, mais il gêne le système. Il gêne le système. C'est-à-dire que quelque part, le système, et c'est ce que j'ai dit dans mon discours de vendredi, il dit de pour nec paraître pour sauter néon, pour mettre tout corps dehors. Pour dire, prends le goût, mais à côté, peuple haïtien, gon mafia qui kembe peuple là avec genou qui ne doit pas passer. Et le plus souvent, la mafia a des accords avec l'État, avec les hommes qui sont au pouvoir, avec quel que soit l'homme qui vient au pouvoir. Je dis que dans tout pays, surtout pays haïtien, mon Dieu, bon, tout le monde connaît, je dis que les gens qui doivent développer tout moyen qui gagne jusqu'à ce que rende possible notre société. Est-ce que vous pensez? Nous même dans le secteur bourgeois, même pas dans l'affaire oligarque même, ok, secteur bourgeois, est-ce qu'on pensait que nous remplirons notre mission de absolument pas ça? Absolument pas, mais c'est pas nous seulement, l'élite de la classe moyenne aussi, l'élite politique aussi, parce que s'il n'y a pas une élite, il y a les élites. Oui. Il y a des élites et aucune des élites ne... mais c'est pour ça nous là. Écoutez, lorsque Balaguer a formé l'alliance avec le club de Santiago, c'est un politique qui s'est allié avec un groupe financier qui était voulu changer la République dominicaine. Ils ont réussi. Braba nos chiffres, messieurs. En 50 ans, la République dominicaine a eu 373% d'augmentation de croissance. Font petit calcul, ça veut dire à peu près 7% en moyenne. En 50 ans, Haïti a eu 53% de croissance. Moins d'1%. Regardez une pression démographique de 2%. Ça veut dire qu'on vient plus pauvre chaque année. Et on vient plus pauvre. En plus de ça, on a deux bagailles qui font vient plus pauvre. L'embargo sur Haïti et le tremblement de terre. Autant condamné coup d'État 91 ans, autant condamné que le témoin d'embargo sur Haïti pour sauver un homme. Pour sauver un homme, on a fait 3 ans d'embargo. On a détruit le capital
Au troisième bagage, je dis. On a détruit le capital du paysan haïtien de 50% avec l'embargo. Et puis, on a troisième bagage qui était venu avant, la destruction des ports. Programme éradication porcine sous l'aide du Valier a décapitalisé la paysannerie haïtienne. Mais trois moments, côté que crasé, j'arrête, peuple haïtien. Monsieur Val, dans août, la vie toujours. Et... Alors, c'est contre bagaille ça, on a goumen. Et c'est contre bagaille ça, on a goumen dimanche à lundi, 28-29 mars. Mobilisation totale capitale, peuple haïtien, dehors. Nous allons dire non à la dictature, non à cette constitution qui viole la constitution. Comment la communauté internationale, comment le BINU qui est supposé être là pour nous aider à respecter les droits peut accompagner une folie de faire une nouvelle constitution par un homme pour un homme avec un homme? Jamais. Non, viens sur ça tout à l'heure, Jovenel. Est-ce que Jovenel... 28-29 mars, nous dehors. Donc, est-ce que Jovenel Moïse sont corrompus? Comme vous avez une relation avec elle. Et... Henri Gaillet était posé une question ça. Et oui. Oui. Bon. Henri Gaillet était posé une question ça d'abord à deux. Et le posé mis dans la radio. Ah bon. Ben. À l'époque, on te répond non. Aujourd'hui, il y a un rapport de la Cour supérieure des comptes qui dit que l'ingénieur et l'agronome ont pris le même contrat pour la même route. Donc, c'est je ne peux pas ça. Écoute-moi, laisse-moi finir. Je n'ai pas le droit de dire que quiconque est corrompu, tant qu'il n'est pas jugé coupable. Mais il y a des rapports très négatifs. Même pas un droit. Moi, je crois dans l'état de droit, dans la justice. Moi, je crois dans la vérité. Comme le président Jovenel dit, rapport à son rapport politique lié. Pas un problème. Dès qu'il laissera le pouvoir, il ira se défendre au tribunal. Parce que de toute manière, il y a une accusation qui est portée contre lui. Et m'a signalé non bagaille, messieurs. Bagaille dit mesdames, bagaille mesdames. Là. Bon. Mais m'a parlé à peu près, mesdames, messieurs. Il y a trois rapports de la Cour supérieure des comptes qui sont sortis. Sur Petro-Caribé, 4,2 milliards de dollars. Nous avons moins dans Boulos. Hein? Nous avons une entreprise Boulos. Nous avons une. Ça veut dire pourtant, pas de petit contrat. Ça veut dire pas de contrat Petro-Caribé. Écoutez, même là encore, non, ça, non, c'est, bon, bon, non. C'est une fausse chose de dire un contrat Petro-Caribé. Bon, je vous dis ça. C'est pour supérieur des comptes qui a dit. Pour qui ça a dit? L'État font appel d'offres, il n'y a pas de droit qui coupe la PO. Ah. Vous comprenez? Oui, oui. Il n'y a pas de droit qui coupe la PO. Ils font appel d'offres. Et puis ça, après, ils sont tendés, montés dans Petro-Caribé. Donc, ils vont vous dire tout le monde. Ils vont tout le monde. OK? La réalité, ce n'est pas de dépenser l'argent de Petro-Caribé qui est un problème. Ah, c'est d'une part. C'est les 25 faux stades qui sont un problème. C'est de prendre l'argent et d'acheter des kits alimentaires à 25$, mais qui coûtent 9$. C'est ça qui est le problème là. Le problème Petro-Caribé, écoute, la République Dominicaine a eu Petro-Caribé. Elle a fait un métro avec. Original. Okay? Original, est-ce que tout contrat signé ou honoré, tout. Maman de répondre vite, non, réfléchis. Est-ce que vous honorez tout contrat? Est-ce que vous avez dit de mauvais de contrat pour non. Est-ce que nous avons posé une question, on parle carré. Ok? Président Jovenel a rencontré une série de monde il y a un an et demi. Et il y a un leader politique qui était répété de l'AL. Et là, il y a un cap qui a décodé pendant qu'on a codé. Ok? Qui est le même groupe là? Qui est le même groupe là? Ok? Il dit. L'acheter 80 millions de dollars américains dans même équipement, je vais livrer tout. Même comme moi même. C'est ça le dit. Je compte ça le dit. Premièrement, ça a crédit de vendre. Beaucoup de gens finissent toucher. Donc, comment je vais faire un cop de même? Deuxièmement, tout équipement livré. Tout équipement livré. Et comme on a parlé de ça, venons au papier pour nous, messieurs. Bon. Venons au papier pour nous. Nous t'ai dit dans l'émission l'autre jour, c'est 20 000 dollars pour vendre Kixio. Et que vendre Kixio vendre 12 000 dollars au public. Ma tout dit va là, publiquement. Si il y a 100 kicks, la banque à 12 000 dollars, m'a pas acheté un amène. Pour au moins. Mais combien de vendre kicks? 16 500. Les kicks vendent se vendent en Haïti. La kicks, kick qui pipitia, qui sent plus simple, manuel, vend 21 900 dollars au public. Ou qu'on n'est pas gagné kicks à 12 000 dollars. Eh bien, tout Haïti t'a acheté kicks, projet. Ok? Tout Haïti t'a acheté kicks. Moi, je vends kicks ça avec gyrophare. Sirène. C'est moi qui écris police sous lui. Et moi qui peinture. 6 services après vente pour 16 500 dollars. De quoi parlons-nous? Nous prenons un laboratoire PHTK
qui font vidéo, qui font vieux bagaille, a bay menti et puis nous vinn bay li dans radio. C'est ça qui fait me défâcher l'autre jour. C'est ça qui fait me défâcher. C'est pas rien l'autre qui te fait me fâcher, c'était ça. Ben me connais pas vendre 20 000 dollars. Et que moun qui dit là, moi entendu que moun qui dit, mais est-ce qu'on suit qu'on vendre 20 000 dollars? Oui, oui, nous dit. Moi te dit oui. Oui, moi te pose. Alors que moi comprendre que me fâcher. Ouais. Lorsque nous connaissons un bouton, vous connaissez ça, ça y est, son page contrat. Oui, 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 oui. Son page contrat. Oui, général, on parle, on parle. Parce que on ne parle pas de ça. Attendez, Réginal. Est-ce que vous vendez Jovenel 4 usines côté que vous montez pour lui? 3 usines asphalte et 4 et 3 concasseuses. Ça fait ça. Dans l'histoire, parlez-nous. Non, qui problème? Je te dis ça là, je me trop. Non, non. Combien de lettres? Bah, c'est une question. Non, même pas un document. Les usines d'asphalte ont été livrées depuis 2019. Trois usines d'asphalte. C'est exact. Ok? Depuis 2019. Mais il y a un conseil de préparatif génie pour faire. Exact. Pour construire ce genre de bagaille. Chaque fois, mes lettres pour le ministre là. Pour me dire que nous attendons toujours. Attends, oui. Mon cher, hier. Je m'adressais à Nader, justement au cours de l'émission. Parce que Nader, qui doit le travail pour faire ça, monsieur pas fait travail ça, et la perception, c'est que vous refusez d'installer les usines. Non, non. Sur ce point, m'a défendu Nader. Pendant presque un an et demi, et Femme qui a dit quelque part, année 2019, là, c'est une année difficile pour Jovenel. Parce que tu es un pays, l'autre, tu es un pays. Usine asphalte, tu es livré, tu es chita en côté. Chaque mois, m'écrit ministre là, n'a pas de ministre. Pour me dire, usine, tu attend pour que l'équipe là vienne déraper. Parce que l'un film mette au côté, il faut que tu déraper. Lorsque Nader vient ministre, il relève, moi je dis le ministre, trois usines là, mais il faut nous faire travaux génie civil. On a dit que il a pratiquement terminé travaux génie civil fort liberté. Dans la fin inspection, nous avons deux bagages qui n'ont pas respecté mesures. Il a corrigé au Cunière. L'équipe de la compagnie suédoise Amman va rentrer pour venir démarrer l'usine. Est-ce que bien content pour tes précisions, ça pas oublié. Moi crois que quelque part, moi crois que Forme a dit ça. Nader a fait toute ça le capable. Pour faire usine, ça va déraper. C'est pas le, plus c'est pas le point de vue du gouvernement. Bon, ok, mais Nader a fait lui-même. Non, c'est pas le gouvernement du président. Non, ok. Ben, parce que le président lui-même, je dis, vous connaissez, c'est contre la dit, mais ça fait bah, la parler comme ça. Okay. Ça dit, il dit Nader, pas voulu travailler sur question. Il dit, il y a usine qu'il a depuis longtemps. Mais Nader n'est pas ministre depuis longtemps, monsieur. Il y a beaucoup monté. Mais Nader n'est pas ministre depuis longtemps. Nader est ministre depuis qui l'heure? Ça c'est Jovenel avec Nader. Ah mais Jovenel le grand. Écoutez. Les usines d'asphalte sont restées presque un an et trois mois. Sans qu'il n'y ait aucune intervention de l'État ici. Nader pas de compris. Qui est-ce qui était ministre? Non, on va pas citer non, mon cher, on va pas faire ça. Écoute, un ministre ne travaille que sous le gouvernement. Et on comment Jovenel gérer. Jovenel gérer, c'est lui qui gérer comme un pays bonne Canada s'il le faut. Et qu'on s'allie, ok? Et qu'on s'allie. Pendant un an, je venais oublier l'usine asphalte. Et puis subitement, il y a un fou qui a gagné encore, il faut le déraper l'usine. Pas de problème. N'a pas dérapé. De vous parler, équipe là-bas. Donc la réponse à cette question, c'est que l'État ici est beaucoup parlé. L'État ici est jusqu'à présent beaucoup parlé et j'ai tout livré. J'ai tout livré. Okay. Faut pas venir sous ça. Allez, nous, okay. N'a pas posé. Même bien quand on pose. Allez, allez. Oui. Comment est-ce que vous voulez, comme une machine, vous dit? Bon, je ne sais pas exactement. Je pense que on est et les premiers moments, honnêtement, et ne te mettre quoi, monsieur, ma colère n'était pas pour les voitures brûlées. Ma colère était pour les employés qu'on a maltraités. Gary, où est Madame Dupont? Où est Madame Dupont? Madame Dupont, c'est on ravine la école. Personnage, en plus, c'est ça pour moi. Oui, 21 ans de collaboration avec moi. Où est Madame Baptiste? Si vous ne connaissez pas, c'est ça qu'en face Madame Dupont. 45 ans, premier emploi de Nissan. 45 ans Universal Motors. Il a essayé de kidnapper, il a battu le coup. C'est Savio, Savio Louis, directeur financier à Gouma avec Bandio. Il y a un employé qui est blessé dans le douette, c'est Koudial Koudio. Oui. Ok? Et puis, et l'effet émotionnel. C'est ça qui est important pour moi.
Donc, premier moment, yo, vraiment, je passe 2 jours, 4, 3 jours, je ne parle pas à l'employé. Si je un texte pour que un employé écrit, je vais crier. Ça veut dire on va crier. Ça veut dire que pour le moment, ça... Non, écoute, je vais dire, on building là, le showroom est détruit. Le showroom est détruit. Côté d'entrée, là, oui, belge, puis belle showroom de la Caraïbe de Nissan. Oui, parce que il est détruit. Yeah. Et là, du feu après, il est détruit. Je pense que je peut-être, bon, je vais une estimation comme ça. On peut être 10 machines qui boulaient et on 8 machines qui ont volé. D'accord. Maintenant, je pose la question, ça, c'est pour auditrice qui, comme si tu as parlé tout le temps, et c'est pour des gens qui ne pas comprendre. Ça crive ou un monde absorti avec la machine. Il a posé, peut poser des questions. C'est comme quoi, il a comme, il a pas connu. Vous comprenez? Cléo, oui. C'est des clés qui étaient là déjà. Expliquez-moi ça parce que je ne sais pas. Non, écoutez. Même si vous avez... Bon, pour bien comprendre, il n'a pas volé une machine dans l'autre côté parking machine neuf là. Parce okay. Que la machine, ça n'a pas de clé. Pas de clé. Elle dit 200 machines qu'on voit dans la rue, qui dans le gros terrain à côté, il n'a pas pris une machine, il n'a pas venu. Même les machines m'a préparé pour client, pour me livrer. Pour livrer. Les machines m'a préparé pour livrer. D'ailleurs, jour ça, moi, nous arrivons. Nous livrons nos machines, nous quittons les machines par là entre temps, ils ont boulé les machines. Donc, quelque part, nous avions, écoute, il y a 4 sections dans l'entreprise qui a des machines. D'abord, il y a côté l'eau pour tes machines, ils mettent là en attendant dans le garage là. Ou même sous une machine. Bon. Deuxièmement, il y a un garage là. Troisièmement, il y a une machine qui paraît côté à météo. Et puis quatrièmement, il y a une machine qui a préparé pour livraison. Elle dit, et parce qu'on va vendre une machine chaque jour. Donc, pour machine ça, il faut le parer. Vous voulez la laver dans le garage, le fin paraît, vous mettez la voiture en attente de livraison. C'est eux, Joanne. Okay. À toute clé. Okay. Et peut-être que ça va prendre plus. Il n'y a pas jamais rentré dans l'autre côté. Il n'y a pas de tout. Il n'y a pas de batterie tout. Mal ça que non, la batterie, il prend balle. C'est batterie. Il n'y a pas jamais rentré dans le dépôt pièce ça. Il n'y a pas rentré dans le dépôt pièce ça. Et c'est là que ça que fait là. On avance, c'est une question. Non, mais ça que fait là sont actes délibérés. Parce que soit boule machine, ou boule une à côté l'autre. Il y a boulon machine là, il y a quitté 4, il y a le boulon l'autre côté. Ok? Il y a boulon, on l'aide bien loin. Il y a rentré dans le dépôt, dans ce qu'on a acheté pièce là. Il y a une batterie que vous exposez. Mais c'est pas stock batterie là. Vous êtes sur une 2-3 nègres ou une photo avec une boîte batterie dans le mail. Ok? Quelle photo tout ça passe? Non, parce que ça est extrêmement intéressant dans Amazon. Est-ce que vous filmez scène de pillage, de violence et d'incendie ça? Est-ce que la caméra? Non, pas de caméra. Même si c'est filmé. Bon, je ne sais pas, monsieur. Monsieur, on va jouer comme ça. Quand un policier tué avant hier, et bien ça lundi, un policier sous Udmo, sous Delmar. Sous Delmar. 30 secondes après, pas de photos de tous côtés. Photos. Mais après ça, nous avons notre photo encore. Bon, bonjour messieurs. Imaginons, ou une vidéo ouais, des nègres qui ont bambiné en dedans. Oui. Tout le monde a une caméra dans les mains. Il a filmé. C'est eux qui ont appris dans tout le bagage. Moi, je veux une bonne vidéo. Même pas une vidéo. Vidéo de monde qui a fait. Qui fait? Et peut-être ça, ou pas, ou quand on va poser des questions, on va tout répondre. Là, on dit l'autre jour, il y a un pile rumeur, ou même bagaille, comme si c'était un monde, un policier qui mourait dedans. Faux. Comme si un policier était mort dedans, pas un monde qui t'a fait photo. Il t'a fait photo, oui. Oh, il est allé. Alors, il y a pas aller, il va faire photo. Il va filmer. Il noté, oui, oui. Il va filmer toute qualité bagaille dans le pays, même le mec qui est dans la toilette. On a fait pipi, on filme. On a passé. Et puis c'est ça, on a filmé. On a passé. Maintenant, pas oublier, nous j'aime pas. Non, alors, on va m'ajouter sur ça. Bonjour. Parce que, pendant que je dis ça là, faut clair. Si on t'a parlé de 4 scénarios possibles, yon c'était autotap. On parlait de autotap. Non, on va venir sur lui. On va venir sur lui. Okay, parce que, d'accord. Bon, allez, même si Val va là, on va remplacer Val. Ok, d'accord. Le événement fin passé, moi, t'as aimé qu'on est. Qui j'en fais, non pas qu'arriver à identifier clairement qui groupe monde qui vient attaquer nous, hein, puisque t'as un événement dans la rue qui est lié avec la série de bagages qui a passé. Qui s'arrive nous? Parce que nous, quand t'as entendu un monde qui dit c'est président, t'as entendu un monde qui dit c'est là qui est lié avec barbecue, t'as entendu un monde qui dit c'est des monde qui étaient là dans le fantôme 609, qui s'est passé pour qui ça tout bagage à eux, nous allons exactement sacrifier. Même pour que j'aime qu'on qui était boulé de l'image, ça va te déranger nous, non? Bah, nous va dire ça déranger nous? Non, ça va te déranger personne. Ça veut dire qui ça?
C'est pas rôle moi ça. C'est pas mon rôle. Écoutez, et on t'a dit l'autre jour, oui. C'est une bonne bagarre, on t'a dit, yo. On va dire trop, ou pas dire pile bon bagarre, mais c'est une bonne bagarre, on t'a dit. M'aptakino, ok? M'aptakino, ok? Et bonjour. Mais il y a 10 personnes qui mourent avant hier là, à Colorado, dans un restaurant. Non, oui, fusil. Est-ce qu'il y a un mandé pour le propriétaire de restaurant, est-ce que le compte qui mourent qui tue mon yo? Il y a pas un mandé de ça. Ou quand c'est le capitaine pour dire, qui mourent qui vient attaquer? Mais Biden, il a réfléchi pour voir comment il a pris une décision, si on fait ça automatique. Oui, voilà. Il y a l'État, il y a l'État. Il y a un État. La CNDDH, c'est comme ça le CNDDR. CNDDR a dit qu'il y a 400 000 armes automatiques à travers le pays. La police dit 600 000. Mais messieurs, quand tu es âme sa guerre, ok? N'importe qui monde qui doit faire bagage. Son seul bagage qui a dit. Il y a des photos que attribuent à une série de monde. Et pas moi qui dit. C'est moi qui dit. C'est moi qui dit là, je dis. Je dis c'est moi. Et pas moi qui fais photo. D'ailleurs, le monde qui fait photo, c'est en face. C'est en face. C'est en face. Là, fait photo. Ok? Donc, il n'y a pas de gens qui tirent contre le monde qui a attaqué Universal Motors. À aucun moment. À aucun moment. Même la police l'air. Qui font rapport. Et monsieur m'a dit non, entre nous. Entre nous. Pour la police font rapport qui dit, nous permettons l'île. La police confirme. C'est pas la police nationale là, ici, non? La police. Donc c'est presque en créole qui a parlé là. Mm-hmm. La police. Ok? La mort par balle du policier Jean-Daniel Michel. Qui participait au pillage de Universal Motors? Comment on fait comme ça? Est-ce que vous mettez si une enquête? Comment, mais qui enquête? Mais bon, rapport à d'abord, nous sommes concernés. Est-ce que vous m'avez dit? Oh, mais écoutez, mes culettes. Ok? Par un groupe de vandales se réclamant de fantômes 609 qui ont dérobé voitures et motocyclettes. Je vais vous remettre au constamment. Ou par contre, vous avez dérobé? Ou par contre, vous avez dérobé? Bon, par les motocyclettes qui dérobé. Donc, de quoi on parle? De quoi on parle? Ok? La riposte des gangs de Simon Pelé. Comment on fait contre ces gangs Simon Pelé? Alors que Simon Pelé, dans le même G9 là, gang Simon Pelé dans le même G9 là, volant au secours de l'entreprise, comment on fait contre ça? A fait environ 3 morts. La police qu'on dit environ? Non, c'est assez. La police qu'on dit environ? Dont le chef de gang de Pelé, Israël, touché mortellement au cou. Et puis même, je vois entendre des cousins, Negla dit, c'est la Kylie dans Simon Pelé qui a ménagé lui. Que le talé ou tuel. Et puis par contre, quoi à terre? Mon policier qui mourit en dedans, bon, mal tout qui pirate. Les jours, c'est le gang de Cité Soleil qui est venu à oui. Ce n'est pas vrai, c'est lui. Simon Pelé. C'est Ludmo qui est venu à Maroc. Oui, c'est lui. Donc ça veut dire la police pas contre ça. La police là même pas connaît c'est Ludmo. Non, on pas dit la police là pas contre ça. Oh, mais on dit que t'es venu. Non, on a dit. Police qui écrit ça par contre ça parce que vous ne connaissez pas l'authentique. C'est une source Facebook lui. Ah. C'est sur Facebook vérifié, mais elle confirme. Elle confirme. Qui a confirmé, Léo? Écoutez, m'tendez, Radio Caraïbe dit que le confirmé avec la police, mais de toute façon, il est sur le compte. Et si c'est pas tic, tu mettais le tête de retirer. Ouais, pour me dire qu'à copier ça, c'est sur Facebook là, je te prends. C'est sur Facebook là, je te prends. Écoutez. Quand je dis ces choses, je n'attaque en aucune manière le DG de la police. Parce qu'on a travaillé à détruire la police. Oui. Mario André Sol avait laissé une police organisée à ce pays. Il a remplacé par un monde du pouvoir de l'HTK. Et on a fait rentrer, vous aviez dénoncé ça à l'époque, oui. On a fait rentrer des gens qui avaient été mis au dehors de la police pour mauvais malversation. Et mauvais comportement. Réintégration des bandits. Écoute, le président Martelly a parlé de bandits légal. Il s'est dénommé le chef de bandits légal. Donc, des bandits légal, des bandits illégal. C'est une réalité. Peuple haïtien, toujours à répéter nous-mêmes bagarre là. Moi-même, moi, quoi que. Et regardez qui leur communique ça à venir. Et puis, regardez qui leur version qu'a modifié à venir. 4 jours après. Sacrivé, ils ont fait accueil. Il n'y a pas de penser que Boulos a bien sympathie ça dans le pays. Donc, on y a fait écraser la sympathie. C'est aussi simple que ça. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin, monsieur. Moi-même, je suis persuadé que je pense que mes âmes. Oui, que je vais répondre. Je ne vais pas comprendre comment. Que je vais tirer sur moi. Comme si je pensais que mes âmes. Non, écoutez, je connais tout oligarque qui a mes âmes là.
pour défendre tête yo. OK? Et yo pensé me gen zam nan même. Ndé di m'pa chan meton même mon 9 mm pa gen dans Universal Motors. Même mon 9 mm. Donc yo pensé me bral réponse, bral répondre et puis me bral faire 10 mois. Et puis ap toi arrêté m. Et plan oui. Quand il l'homme pas faire 10 mois, inventer moi yo. Mais inventer moi, l'homme pas inventer moi encore. Il invente une histoire. Qui ça que t'as pour vous? Comment fait qu'on est que c'est gang Simon Pelé qui font coup de mitraillette. Et puis regardez messieurs, faut regarder film là bien. On n'est pas le fond coup de mitraillette, les gars à côté le cap filmer pour lui. Ou pas jamais un monde, fait coup de mitraillette là, devant Auto Plaza. Ouais, autant de devant Universal. Devant Auto Plaza. Mm. Ouais, devant Auto Plaza. Coup de zamon, pas ouais, ouais. Donc ça veut dire monde là, à côté. Mais monde n'a pas d'elle. Ni dans l'environnement. Ni dans l'environnement. Oui. Mais le coup de zamon, pas le fait. Pour la filmer un petit bout de ça. Il fait un petit bout de ça, il coupe lui, et puis pita, il montre l'autre bagarre, on est capable à l'autre monde. Son film, oui, monsieur. Son film. Pas de gens qui attaquent sur Auto Plaza, un petit groupe qui a laissé voler les motocyclettes à l'époque. Non, 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 c'est ça. Je suis vraiment désolé. Ma vie sur Auto, bah, ouais, c'est pas là. Tandis, où t'as pour charger business? Ça passe. Comme si je ne comprends pas thèse ou peur là. Parce que je me dis, il faut mourir à l'œuvre. Moi-même, pour me d'accord à faire peur. Parce que je me dis, il y aura l'élection, il y aura un adversaire de taille. Ou pas grand adversaire de taille. Ok? Et gagner. Yes. Ok, gagner ou pas grand adversaire de taille. C'est Michel Matéli, je t'ai parlé de Michel Matéli là. Donc, ça va tout de la forme. Ok. Ou adversaire de taille, qui c'est Michel Matéli? Attendez. Qui genre? Yo peur. Qui ça ou fait pour yo peur? Parce que mon paquet de business en face, sous côté, entouré. Et puis c'est où? C'est où ça crivé? Bonjour Gary. Grand pile business sur ta revoir qui est dans politique? Qui met tête dehors? C'est qui va le défendre peuple là? Parce qu'on met tête dehors avec ça. Normalement, et m'a dit, l'un nous dit l'autre jour, m'a pour élever ça pour nous, que le président n'a pas qu'à MTV, pouvoir pas qu'à MTV. C'est 29 302 membres ou atteindre. 29 302 membres, quand vous registrez, oui, quoi atteindre. On va jouer comme ça, non? Nous avons 18 coordonnateurs régionaux. Nous avons coordonnateurs communaux dans tout le pays. Nous avons animateurs section communale, nous avons donc. Nous avons le pays. Il faut jouer avec MDV. Et moi-même, je défends tout militant. Ou on n'a pas le droit de dire, on n'a pas donné pour dire que je ne suis pas MDV. Je ne suis pas donné pour dire que je MDV. Je ne suis pas donné pour dire que je ne suis pas MDV. Et puis ça, Gary dit, il a obtenu nous dans les œuvres. Pas de problème. Mais vous-même, vous n'avez pas fait tant de mal à l'œuvre. Vous n'avez pas de chance. Oui, vous n'avez pas de chance vous-même. Alors imaginons que vous avez pu me battre. Et c'est ça que vous n'avez pas de chance. Non, pourquoi pas tout. Vous candidat avant. Vous candidat avant et vous avez adversaire ça en face vous, Michel Matéli et Maurice Jossal. Original. Hein? Michel Matéli et Maurice Jossal. Écoutez, en face. Eh bien, on va connaître que en 2004, l'homme d'Imbral dans la chambre de commerce, n'est pas adversaire, n'est pas de bonne chance, non? Fait campagne. C'est premier et président élu à la première assemblée générale. On s'avait dit, elle dit, n'est qu'on fait assemblée, elle ne peut pas gasser membres qui viennent, elle est obligée de reporter l'assemblée. J'ai été élu avec 135 membres présents. Premier président depuis des années. Qui ça négocie qu'on fait? Ils font une première assemblée, puis 20 personnes qui viennent, et puis ils ne peuvent pas faire. Et puis deuxième assemblée, c'est même eux, même conseil là, et puis ils votent tête. Ils font campagne. Marché caille tout le monde. Mal vendre ma campagne. Et c'est comme ça, mais lui devant tout le monde, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment va combattre la corruption? Qui gagne dans l'État, corruption, la douane, si vous arrivez président, puisque corrompu, il y a droite ou à gauche, si vous avez pouvoir. Entre autres, bon, avec la douane. Je vais répéter encore, ça m'a toujours dit. Et me dit l'avant vini. On va attendre le bédin. Je ne suis pas capable d'accuser personne. Et me dit encore, de tout ça tout à l'heure. Je ne vais pas accuser personne de s'acriver dans Universal Motors. Personne. Cependant, lorsqu'un président
a fait des menaces, lorsqu'un président a fait des menaces, il porte la responsabilité morale. Dis ça. Lorsque la police n'a pas pu prévenir, dis ça, oui. L'État porte la responsabilité morale. Dis ça. Et Gary, on pas trouvé drôle que même un petit mot de sympathie, président Jovenel m'a dit. Et moi, tu dis ça dans la bon, jusqu'à présent, malgré tes dit là, quelque part, il est presque anormal. Mais est-ce qu'on pensait me penser, président, voyez, mettez du feu dans l'universal, bah, je me dis ça. Et peut-être ça, dans la conférence de presse là, un journaliste qui dit que me dit tel bagaille. Moi, je dis, bah, j'aime dire ça, pas mettre parole dans la bouche. Moi, je parle de responsabilité morale. OK? Et responsabilité morale, même si je ne suis pas opposant politique, parce que tu es le président de tous parce les pays. Parce que ça, dit, c'est que vous dites, monsieur, vous dites, c'est ça, la paix des véhicules. Non, écoutez, il a une responsabilité. Il est président de la République. Écoutez, vous m'avez américain toujours fait, président américain. Où est-ce qu'il y a 10 personnes qui mourent hier soir? Biden vient de parler de lui. Biden t'a parlé de lui. Si t'es un business, tu t'as attaqué comme ça avec ZAM. Biden t'a parlé de lui. Maintenant, moi, Américain, toujours dit, the box stop with me. La responsabilité reste avec moi. Parce que je suis le président de la République. Je dois prendre la responsabilité. Monsieur, j'ai une bonne question. Oui. Campagne Balba, voilà. Sous président, est-ce qu'on a tourné un contrat sous général là? Puisque vous parlez de méchanceté que le président fait ce génère. Est-ce que vous tout avec? Non, je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas répondre comme ça. Je mettrai une commission indépendante pour revoir le contrat. Indépendante. Indépendante de politique, indépendante de, d'autres conflits d'intérêts. Pour revoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, parce que je ne vais pas penser que on a des saints d'un côté et puis on a des diables de notre côté. Moi, j'ai dit que la manière que ça s'est fait. Écoute, l'État peut arrêter un contrat à n'importe quel moment. C'est son droit. Et même la raison d'État peut lui permettre d'arrêter un contrat qui n'est pas qu'on ne doit arrêter. Mais il y a trois bagailles qui passent qui sont pas normales. Pendant qu'on saisit bien, on a mis des mandats d'amener sur le monde. Pendant que pas un rapport fait, qu'on suivait des comptes, pas émettre un rapport, pas un document qu'on a dans le parquet. OK? C'est le premier bagaille. Deuxièmement, la gestion qui a été faite des biens privés des gens. Dans le cadre de ce dossier. Dans le cadre de ce dossier. OK? Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, on a annoncé qu'on a donné des contrats à des tuyaux, à General Electric. Nous faisons un appel d'offres. C'est pas retiré, nous mettons l'autre. C'est pas retiré, sac papam là, pour mettre sac pam. Écoutez, ça, c'est ça le problème. Donc, moi, président de la République, je vais installer une commission qui pague un soupçon sous lit. D'hommes intègres ou de femmes intègres qui comptent dossier et tout. À la limite, nous avons demandé même une assistance internationale. Analyser dossier à moi. Deuxièmement, c'est toute la question de la politique énergétique. Analyser la politique énergétique dans ce pays. Moi, ça, moi, président, fait là, je ne vais pas comprendre. Moi, je mettais usine thermique de tout côté. À qui quoi? À qui quoi nous allons payer gaz là? Pendant que je dis à subventionner gaz là. Pendant que 35 milliards de gouttes de déficit. Pourquoi ne pas avoir fait de grands projets et de petits projets? Écoutez, la République dominicaine, chaque fois qu'elle kembe reboisement, vous comprenez ça? Il fait 30 ans subventionner propane et les petits réchauds. Elle dit tout le monde dans toute côte République dominicaine, ça tire chaud sa vie. Ou quand je dis à plus bel cadeau qu'a fait haïtien, c'est 4 panneaux solaires avec quelques batteries. Nous comprenons ça. Et si je subventionne les panneaux solaires pour tout haïtien qui a acheté panneaux solaires pour mettre la caille? Ou avec quoi 24/24? Hein? Quoi ça dit? Ou avec quoi 24/24 aujourd'hui? Les mêmes qui a baillé tête qui couvre 24/24. Et pas moi qui a baillé l'île. Et lui qui a baillé tête l'île. Elle dit qu'il faut réfléchir. On ne peut pas faire des choses répétées. Oh, on a mis de courant et puis on a mis de l'usine. On a mis de l'usine. Dans 3 mois, 30, toute l'usine s'est campée. Oui, parce que pas de gaz. Je dis ça. C'est parce que pas de gaz, pas de entretien. Oui. Mais tandis que l'un est glacé, il met de batterie. Il a mis de l'eau dans la batterie. Oui, il a nettoyé. Maintenant, ça va empêcher qu'on fait de grandes usines aussi solaires.
Porto Rico, so tu inaugure une usine solaire là, monsieur. On va être tête chargée, oui. On va être tête chargée. Maintenant, même gens aussi, les mêmes gens tout, nous allons aller. On me dit, d'abord, subvention, panneau solaire pour les petites bourses. Où comment baisse ça vient dans la tête, moi? On excite au soleil qui relève. Il dit, docteur, pour faire un cadeau 4 panneaux solaires. Je dis, qui ça veut dire? Il dit, ma voie pour faire ma peau. Monsieur, 50 000 gouttes. 50 000 gouttes. Bon, imaginez, c'est 20 000 gouttes qui t'ont coûté qu'on y a. Parce qu'on retire tout le doigt sous lit. Et pour dire, importateur, l'on importe les panneaux solaires, moi, tant qu'on. Je suis obligé de vendre tel prix. Et pour mettre ou fixer prix, là. Même je vais faire à Gaza. Le panneau solaire de tel se vend à tel prix. Question politique pure. Oui. À la main avant ma campagne de travail là. Docteur Boulos, est-ce qu'on fait confiance à ma proposition pour Chita avec vous tout le temps, qu'on a monté une balle à vol? Est-ce qu'on fait confiance avec vous? Posez une question. Pourquoi on fait confiance à un compétiteur? Merci. Merci beaucoup. Écoutez, je veux saluer la solidarité qu'ils ont montrée le 17 mars. Oui. Tous. Oui. Tous. Elle dit que, m'abciter non. Mm-hmm. Mais j'ai été étonné du nombre de personnes qui ont appelé. Même Braldo, en 2018, ni à droite ni à gauche, personne n'a pas très l'aime. D'accord. Tu avais dit pendant qu'on vient qu'on a au comté, on voulait dire. Et c'est dernière question, au final. Est-ce qu'il y a une possibilité pour faire alliance avec famille Lavalas pour moi pouvoir? Est-ce que quelqu'un qui ça? Est-ce qu'il y a une possibilité? Pas moi pour décider ça. MTV cap décider ça. MTV cap décider ça. Mais en fait, pendant que nous aller là, l'heure arrive tout pour moi. Du bon qu'on arrive. Hein? Je vais parler là. Hein? On va 10 minutes encore. 10 minutes, pour la campagne. Dernière question. Et bon, peuple a pas aimé. C'est la première fois que peuple a gagné pour l'élection à un janvier. Parce que Michel Matéli, son grimaud, il va même venir avoir. Et il n'a pas aimé, n'est qu'un couillot dans l'élection ou fait son dire par aimé, il y a la politique. Est-ce qu'on évalue chanson ou du moins on crée un tournant dans l'histoire de notre peuple? Ma dernière question. Et bon, mon petit bagaille pour vous. Bon, mon petit bagaille pour vous. Et blé long bagaille pour vous. On va chercher là. Côte Gary, pas attendre pour ce moment. L'attendre. Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Martin Luther King. Ok? C'est qu'on s'amène dans le pouvoir. C'est qu'on s'amène dans la lutte pour pouvoir. Je ne mets pas sur la table la couleur de ma peau ou la couleur de ma chevelure ou la texture de ma chevelure. Mais je mets la couleur de mon âme. Sauf que c'est une pensée, mais Martin Luther King, même s'il était blanc, il t'a mouru pour ça, il t'a défendu. Martin Luther King, même s'il était blanc, il t'a mouru pour ça, il t'a défendu. Il y a des blancs qui sont morts aussi. Ok? Et quelque part, on a eu un homme du secteur privé, noir, du secteur privé américain, qui a voulu aussi changer les choses. On l'a fait partir. Siméus. Siméus qui était tout à fait de l'autre bord. On est qui millionnaire. Vin candidat là. Ancien monde pour sonder. Il a couru d'elle tout. Ce n'est pas la couleur de la peau. Ou bien il va te répondre à un critère. Ah, il a couru d'elle, mon cher. Il a couru d'elle parce que l'œuvre le fait l'autre passer, il fait passer, mon cher. On va jouer comme ça, monsieur. La règle doit être. Des autres bagages. Non, des autres dites, il m'a est. Écoutez. Bon nombre de temps pour faire vivre en Haïti, il faut résider ici. Mais cette définition n'est pas claire. Il y a tout pour qu'on caille un côté pendant 5 ans. C'est quoi la résidence? Bon, c'est quoi résider en Haïti? Ça veut dire quoi? Ou pas qu'on est, non? Ou pas qu'on définit le mot, non? Non, mais. Ça veut dire qui ça? Comment fait qu'on est? Madame, ou pas vivre ici? Il va résider en Haïti? Il va ici en quoi? Non. Mais on m'a donné un certificat de résidence. Et s'il était baillé, il était baillé. Ou qu'on est qui soit besoin pour rien? Le coup de vous avez abus, devait me dire? Oh, abus. Abus parce que vous valez qu'on est le tabac. Ou que l'EFTO a fait l'abus?
on pas penser te faire bon pas demander on pas penser dans deux chanteurs m'ta préférer peut-être jodi a en plus loin d'a préférer Wyclef bah connait moi deux questions même quand on tient un bravo OK bon docteur Boulos en fait deux petites questions vite fait gagne plusieurs monde qui en fait abgado et qui essaie réfléchir sous histoire pays hein. Puisque déjà, on a que grand gens ou l'État, même gens ou même tout dénoncé, ou ensemble de monde qui pas assumé responsabilité. Yo. Mais on souhaite expliquer là, à 40 ans, ou entrer dans les affaires. Et je vous dis, hein, ou fait non comme Pierre-Réginald Boulos. Mais, donc, il y a 25 ans dans les affaires. Ouais, 25 ans, mais ou entrer à 40 ans. Oui, c'est exact. Okay. Maintenant, un jeune qui a regardé aujourd'hui, hein, qui plus ou moins gagne histoire avant jusqu'à 40 ans dans le social, mais après, ou entrer dans les affaires. Et forme de business ou développé et regardez qui rapport que vous développez avec l'État. Maintenant, qui ça a dû kembe pour faire que un jour, vous êtes capable de réussir dans les affaires tout? Faut nous avoir l'opportunité. C'est MDV Haïti. MDV Haïti, c'est l'opportunité pour les jeunes. C'est un parti formé de jeunes, de femmes, de paysans et de diaspora. Son parti politique qui a trois bagages dans la tête. On a même dit quatre. Il y a les tests. TESS. Travail, éducation, sécurité, santé. TESS. Travail, éducation, sécurité, santé. Tout l'autre bagaille va venir après. Donc ça on dit ou un programme pour faire route. Faire route pas un programme. Faire route son nécessité pour qu'a bail travail là, pour qu'a créer économie. Bail courant pas qu'on programme. Parce que sous bail courant et puis pas faire rien l'autre. Et puis courant pas produit pour rien. Par les productions nationales associées. C'est bon programme. Objectif fou, c'est faire peuple haïtien jeune éducation. D'accord, très bien. Maintenant, c'est faire peuple haïtien jeune sécurité. C'est faire peuple haïtien jeune santé. Faire peuple haïtien jeune travail. Travail. Je tout le monde a travail. Payer pour l'autre gens. Alors, non, mais. Non, mais. Et les gens qui ont le pouvoir, ils ont toujours dit que c'est pas l'État qui est placé pour créer emploi. Mais c'est vrai, je ne peux pas travailler dans l'État. Je ne peux pas travailler dans l'État. Qui côté non. Parce que vous avez une chance dans le CMT. Oui, mais MDV Haïti va le mettre en place l'environnement pour le secteur privé créer travail, pour les jeunes qui créent travail. Est-ce qu'on connaît qu'aux États-Unis, la majorité de la création d'emplois sont faits par des petites entreprises? Lorsqu'on est excité soleil, ou formé pour le compte couper cheveux, ou bal crédit pour le fond barbershop, il va le mettre 5 mois de travail. Lorsqu'on est dame, cité soleil, ou bien la saline, ou bien village de Dieu, ou bal ou apprendre ni coiffure ou bal on ti crédit pour nouveau salon de coiffure li pa engager 6 moun l'autre on moun et comment les zones en Babinoville en bas Pétionville là jalousie ou bon monsieur là ou bal formation en ferronnerie ou bal comme pour acheter un petit welder ou bal équipement qui est-ce qu'a bal comme là l'État le fonds de développement. Le fonds de développement, c'est un prêt, c'est pas comme, c'est pas au babaye. Maintenant, sur la question, non, parce que. Ou un programme 25 000 gouttes cadeaux sont interliés. Parce que faut qu'il y ait 25 000 gouttes. Mais il faut son prêt lié et fonds institution capable de gérer. Ou qu'on est si fonds de garantie, 20 millions de dollars, je dis. Et puis, je dis, une banque, bail seulement jeune, qui a cherché fonds première entreprise, crédit jusqu'à temps. Je garantis tout le sur le papier. Ou qu'on a une banque qui a aller jusqu'à 120 millions de dollars avec elle, ou bien Société Bank, ou bien Capital Bank, ou bien BNC. Parce que, en général, fonds de garantie ou capable d'aller jusqu'à 5-6 fois montant fonds de garantie dans le prêt. Puis c'est pas tout le monde qui va payer. D'accord, très bien, docteur, puisque l'heure arrive. Question où tu réponds à l'aspect politique, l'aspect économique, parce que c'est. Je devais parler de l'expérience ou parler de MTV. En fait, moi, je devais parler MTV de les affaires. Parce que c'est pas mon parti politique qui t'a fait qu'on réussit dans les affaires. Oui, mais écoutez, c'est parce que je connais qui ça me fait pour me réussir. Qui fait me connaître qui ça pour me faire, pour me faire l'autre jeune réussir même bien avec. Et maintenant, pour me faire, c'est dans la tête de l'État pour me faire. Elle dit, je connais qui ça pour faire. Mais c'est l'État pour faire pour vous. Et l'État pour faire pour vous. Mais je connais qui ça pour faire. L'État là, pour créer conditions pour développer le travail. C'est ce que j'appelle, soit le document MDVA, sur le site MDVA Haïti, il dit un État facilitateur, un État accompagnateur, un État régulateur. Moi, bon exemple. On connaît Zamim,
Martin Bout par un même dit ça. Mais nous état régulateur, il n'y a pas accepté Digicel acheter comme celle. Parce qu'il faut créer la compétition. Aux États-Unis, il n'y a pas quitter sa fête. Ouais, dernièrement, Etienne s'y finit acheter T-Mobile. L'État américain dit non. Il n'y a pas passé. Mais moi, on peut faire ça ici. Tu connais acheter banque, banque acheter un l'autre. Mais c'est l'État. C'est écoutez, pas de problème qu'on, qu'on business achète l'autre business si il n'y a pas créé un monopole. S'il pas créé une concentration, c'est-à-dire que je suis capable de jouer. Je suis capable de jouer. Une époque, on connaît le style de la tour, pas de volant banque acheter l'autre banque parce que t'as créé un trop gros banque. Ok. Ma dernière question, c'est plus en précision pour Albert Samraldi là. Il y a des gens qui, en fait, a regardé, qui a réfléchi par rapport avec Dr. Reginald Boulos et qui dit que, étant donné que, ou c'est un monde qui jouit de privilèges dans l'État, qui c'est l'État haïtien, par exemple, question prêt ou na. Question. On n'a pas l'État haïtien. Question. On n'a pas l'État haïtien. Ok, très bien. D'accord. Question. Par exemple, t'es une commission, le t'es une crise qui t'es venu conduire avec. Oui. Question de Laurent Lamotte. Oui. T'es une commission. Oui. Maintenant, on vient de trouver que, dans la question, et au pas jamais suspendu, dans la question président Jovenel Moïse, côté que, où t'es une expérience avec, ou penser qu'on côté le tabre aller. Maintenant, il y a des gens qui parlent pour chaud pour revirer parce que ouais que ils pas attendent conseil ou mais on dit peut-être que même si c'est légal mais aux jeunes de contrat et ils profiter by des gens qui proches lui ou ensemble de contrat juteux qu'on y a maintenant on dit peut-être que si vous avez possibilité non soit diamant soit diamant non mais faut pas dire qui pas vrai j'ai répondu à un appel d'offres. L'appel d'offres a été gagné par trois entreprises dont une avait soutenu Jules Célestin. Donc, pas qu'à dire son dia. Non, c'est pas mon deal. C'est mais, pas, non, c'est okay. Pas la première fois que tu as un deal. Mais dans son précision, non, mais c'est faux. Non, son précision, pas le basouli. Maintenant, il y a des gens qui ont comme du monde, comme un sponsor, qui en fait, si vous gardez un candidat, et de fait, ou t'es fait, ou courez, il est bon. Qu'on y a ou même, ou voulez venir président. Donc maintenant, objectif là, c'est qui s'allie et qui pral préciser que c'est moun sa ou te supporte yon échoué nan yon bagay par rapport à une mission ou même ou gagne une autre mission qui est différente de ça ou te gagne déjà. Oh, c'est ça la précision. D'abord, bonjour. Ou te mande m'ki sa map d'un jeune, moi j'aime pas se piko à m'ka d'un jeune, je dis, pas j'en peux échouer. Que ce soit saut ou prendre levé tête. Et m'ba exemple. M'ba pile son envie. Depuis là, m'été m'de la cité soleil, c'est son map. Mais chaque fois m'pon son m'levé plus fort. Jeune capitaine de mieux là, je veux dire. Quel que soit saut nous prend, quel que soit difficulté nous prend, qu'un bête-tête nous, n'a pas réussi quand même. N'a pas réussi quand même. Deuxièmement, nous allons créer un état de droit. Nous allons créer un état de droit côté justice. C'est l'ic numéro un. Nous allons créer une force de police sérieuse, organisée, qui a moyen. Nous allons créer une agriculture basée, une production nationale qui est basée sur agriculture, sur textile, sur tourisme et sur service. Mais c'est pour une sécurité pour nous capable de faire. C'est ça qui fait sécurité, c'est numéro un. Pour nous capable de faire jeunes au plus de travail, il faut nous faire une éducation. Il faut nous permettre de jouer une opportunité. Moi, quand qui ça pour faire? Je me fais déjà. Je crée plus de 3000 emplois dans mes 25 ans de travail. Plus de 3000 emplois. Si comme un jeune entrepreneur de 40 ans, on a fait ça, me fait là, imaginons l'homme notre tête l'État. Ça me va le faire. Okay? Nous allons créer 1 million d'emplois sur 10 ans. 1 million d'emplois sur 10 ans.